Bonsoir, bienvenue, espionnage, armement, stratégie, c'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Au programme cette semaine, les défis sécuritaires d'un des plus grands événements sportifs de la planète, le mondial. On marquera également le 30e anniversaire de l'agence spatiale israélienne avec une interview exclusive, celle du ministre israélien Yaakov Peri. Mais tout de suite, le tour du monde de l'actu Défense en une minute. Après s'être emparé de la deuxième ville du pays et de la province qui l'entoure, l'État islamique en Irak et au Levant intensifie ses offensives et ont pris le contrôle de Tikrit. Face à une armée en déroute et accusée d'avoir volontairement fui, voire coopéré avec les djihadistes, plus de 500 000 civils ont fui les zones de combat selon l'ONU. Leur objectif, créer une continuité territoriale à la frontière avec la Syrie et y instaurer de facto un califat. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a déjà prévenu qu'il ne demandera pas l'aide de puissances étrangères. On se rend au Japon. Le ministre de la Défense australienne, David Johnston, a déclaré au cours de sa visite à Tokyo que son gouvernement est intéressé à acquérir des sous-marins japonais, même si le coût total semble élevé. Les Soryu, alimentés par des propulsions à diesel électrique, devraient permettre à l'Australie de se doter d'une force navale capable d'atteindre les profondeurs de l'océan Indien. Le Harop est le tout dernier né des 100 pilotes de combat développés par les industries aérospatiales israéliennes. Plutôt que d'emporter une charge offensive, ce drone est en fait la munition principale. Ce tueur-chasseur est conçu pour évoluer au-dessus du champ de bataille et détruire les cibles en plongeant sur elles. Il sera présent au Salon international de l'armement à Paris, le Rosatory, le 19 juin prochain. L'événement sportif le plus sûr de l'histoire. Les ambitions de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, au sujet de la Coupe du Monde 2014 sont claires. Et pourtant, avec un indice de criminalité très haut et une contestation sociale qui dure, la sécurité reste l'une des préoccupations majeures de ce mondial. Regardez ce reportage signé Mathias Sinbar. Le Brésil n'a pas pris de grands risques en termes de sécurité, alors que le pays est soumis à une vague de protestations et manifestations sociales sans précédent. Les responsables des forces de sécurité brésiliennes ont tenu une conférence de presse au centre de commandement de la FIFA. Notre priorité, ce sont les stades. Nos forces vont se concentrer autour de ces enceintes pour ne pas que l'anarchie l'emporte. Quelques 1000 policiers sont en patrouille dans 12 villes hautes du Brésil. 50 000 autres soldats, marins et autres forces de sécurité ont été déployés, coordonnées conjointement à des centres de commandement dans chaque ville haute. Les spectateurs sont un objectif important pour la sécurité publique. Je suis sûr, nous avons de nombreuses discussions avec le ministre de la Sécurité de Rio de Janeiro. La police militaire de Rio est prête. Le gouvernement brésilien aura ainsi investi environ 850 millions de dollars dans la sécurité, et ce afin de protéger les 32 équipes et contenir les manifestations sociales, la surveillance de l'espace aérien et la protection contre la cybercriminalité et les attentats terroristes. Et pour parler de la sécurité autour de ce mondial du Brésil, j'accueille sur ce plateau Ron Chafran, vice-président de l'ISDS, une entreprise de sécurité multinationale qui a assuré la sécurité d'événements sportifs majeurs comme les JO d'Athènes ou encore de Beijing. Ron Chafran, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors comment est-ce qu'on prépare la sécurité d'un événement sportif aussi majeur ? Un événement sportif de ce type, on s'y prépare des années auparavant. Le principal enjeu, c'est d'unifier tous les niveaux, au niveau fédéral, les préfectures de police, les sites principaux, les sportifs, dans un temps record, pour que ce méga événement puisse se dérouler comme il se doit. C'est évidemment les entraînements qui doivent être sécurisés le plus. Il faut s'y prendre un an avant. Les forces doivent s'entraîner à assurer la sécurité des sportifs. Et cela surclasse nos capacités à sécuriser un tel événement. Alors, dans cet événement particulier, le Mondial 2014 du Brésil, il y a deux menaces. La menace des contestations sociales, la colère gronde dans la rue, mais aussi la menace terroriste. Quelle est la menace qui est la plus importante entre ces deux-là ?
Au Brésil, aujourd'hui, il y a trois menaces principales. Évidemment, le crime, qu'il ne faut pas oublier. Le Brésil est aujourd'hui, c'est relativement aujourd'hui, faire face à cette menace, mais elle existe bel et bien. Car la menace terroriste prend souvent forme justement sur la plateforme criminelle et cela met en danger un tel événement. Évidemment, la protestation sociale, c'était aussi une menace qui pèse sur le mondial, qui accompagnera l'ensemble des compétitions de ce mondial. Et tout ça se mesure évidemment en termes de préjudices qui peuvent être causé à ces matchs-là. Ce que nous avons vu, par exemple, pendant les printemps arabes, c'est très difficile à identifier. Ces menaces sont très difficiles à identifier. C'est de là, donc, la menace de la protestation sociale et la menace de terroristes sont très difficiles à identifier. Mais les trois menaces que je viens de citer doivent être déjoués justement par un dispositif de sécurité très bien huilé. Alors ces menaces, vous les connaissez bien parce que vous participez vous-même à la sécurité de cet événement. En deux mots, quel est votre rôle ? Sur cet événement précis, nous sommes impliqués. Il y a trois ans que nous sommes impliqués dans cet événement, dans ce genre d'événement. Nous avons construit un dispositif de sécurité pour la FIFA il y a trois ans. Israël est connu dans le monde entier pour être une nation start-up et pour offrir des solutions technologiques. Mais ce que le monde connaît moins, c'est à quel point le Brésil est très ouvert et pour accueillir des sociétés start-up dans le domaine de la sécurité. Nous y trouvons. Merci. Et voilà, c'est un bon point pour Israël. Merci beaucoup, Ron Chafran, pour cette interview. Merci Daniel. Focus à présent sur la génération perdue des enfants soldats du Libéria. De nombreux enfants ont été enrôlés dans les guerres civiles du pays qui ont fait environ 250 000 morts. C'était en 1989 et 2003. Aujourd'hui, la paix est de retour. Ces enfants ont grandi et souvent, vous allez le voir, ils peinent à trouver leur place dans la société. Quand il était adolescent, Abdoul Sessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria. Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Nous avons commencé à nous battre contre notre peuple. Après la guerre, on a été désarmés. Ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être abatteur dans les minibus. Ils n'avaient rien à faire et je ne voulais pas me retrouver à voler des gens dans la rue pour pouvoir manger mon pain quotidien. En plus, je peux dormir sur le trottoir. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les deux guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. Cela doit être résolu. Je parle de 75% de la jeunesse du Libéria. Il y a plus de jeunes sans éducation qu'avec. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ces personnes doivent être prises en charge. C'est difficile, cela fait du temps que ça dure. Ils grandissent et la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. À la fin de la guerre, il a quitté Monrovia pour fuir les regards accusateurs. Certaines personnes m'ont vu me battre pendant la guerre. Et quand la guerre était finie, on me pointait du doigt. Certaines personnes me reconnaissaient. Aujourd'hui, il est pêcheur à Robertsport. Il a quitté la capitale, déçu par le gouvernement qui avait promis de les aider en leur offrant des cours ou des formations. Avec sa femme et ses deux enfants, il espère à une vie meilleure.
La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. Pendant des années, les chiens militaires ont été une partie intégrante de l'armée israélienne, mais dans le passé, d'autres espèces d'animaux ont contribué aux actions de Tsahal. L'un d'entre eux est le lama. Mathias Inbar et Liran Musli nous en disent plus. Voici Carmela. Elle s'est entraînée dur ces dernières semaines pour devenir un engin opérationnel. Ce lama va apporter des solutions logistiques sur le terrain. Le problème des forces spéciales dans le monde, c'est que selon leur doctrine, ils devront passer 48 heures en territoire ennemi, jusqu'à ce que les renforts arrivent. La bonne solution, ce sont donc les lamas. À l'instar des ânes, le lama n'a besoin que d'un litre d'eau par jour et ne se contente que de très peu de nourriture. Si vous devez prendre un animal, vous devez prendre un animal qui nécessite un minimum d'énergie possible et sert au maximum les intérêts des soldats. Le lama vit généralement dans des zones climatiques difficiles. Il peut marcher à une température allant de moins 20 degrés Celsius à 45 degrés, ce qui le rend idéal pour ses missions. Le commandant Ofer a servi dans les unités spéciales de Tsahal et travaille avec les lamas depuis plus d'une dizaine d'années. Cette combinaison de compétences uniques et une loyauté aveugle fait du lama un compagnon d'armes idéal pour les équipements à longue distance de transport, en particulier dans le territoire ennemi. Ils peuvent porter le tiers de leur poids sur le dos. Ceux qui sont bien entraînés peuvent encore porter davantage. Avec une peau recouverte de laine, ils peuvent également aider les soldats à se réchauffer. La discipline est un avantage conséquent sur le champ de bataille. Cet animal vous suivra même sous les balles et sous une pluie battante s'il sent qu'il fait partie de votre équipe. L'utilisation du lama a fait ses preuves pendant la Seconde Guerre du Liban en 2006 dans les montagnes libanaises, mais il a aussi été critiqué. Il voit ce que l'œil humain ne voit pas. Il protège ainsi les soldats d'ennemis potentiels. Il entendra une alarme à plusieurs centaines de mètres de distance. Si vous ne savez pas conduire une Jeep, alors ne prenez pas le volant. Pendant la Seconde Guerre du Liban, certaines forces n'étaient pas entraînées à opérer avec le lama et l'ont donc utilisé à mauvais escient. Certains lamas leur ont même tourné le dos. C'était la faute des soldats, pas des animaux. À l'inverse de ce qui se passe dans le monde, Israël est l'un des rares pays à utiliser les lamas. Mais le commandant Ofer espère qu'un jour, ces animaux feront partie intégrante de l'armée israélienne. Il y a 30 ans, l'agence spatiale israélienne était fondée. Depuis le lancement du premier satellite israélien militaire, OFEC, c'était le 19 décembre 1988, eh bien Israël est devenu la 9e puissance spatiale au monde. Un anniversaire que l'on marque en compagnie de Yaakov Peri, le ministre israélien des sciences et technologies, ancien chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Yaakov Peri, bonjour. 30 ans après sa fondation, quel est l'objectif de l'agence spatiale israélienne ? Les objectifs de l'agence spatiale israélienne sont multiples, je tenterai de n'en donner que deux ou trois. Le premier objectif, c'est évidemment la promotion de l'industrie spatiale israélienne et de son statut sur le plan international. L'État d'Israël fait partie du club des 8 pays les plus performants dans le domaine spatial. Le deuxième objectif, c'est évidemment le lancement de satellites civils à des fins écologiques, agricole et médicale. Le troisième objectif, c'est la promotion des relations internationales dans le domaine spatial de l'État d'Israël. L'agence spatiale a un large éventail de relations avec ces agences. Alors ces capacités spatiales que l'on évoque depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'Israël les utilise dans les domaines de la sécurité des renseignements ? Bien, naturellement, ce sont des sujets sur lesquels nous voulons rester discrets. Ce que je peux vous dire, néanmoins, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que nos capacités sont impressionnantes et donnent des résultats qui vont bien au-delà de l'imagination. Et que pouvez-vous nous dire de ce satellite OFEC 10 qui fait la une des journaux aujourd'hui ?
Je ne peux évidemment pas entrer dans les détails, mais je peux vous dire que le satellite OFEC 10 est entré en orbite et qu'il fonctionne parfaitement et nous sommes très satisfaits de ses performances. Alors, quelles sont les capacités israéliennes dans le domaine de l'espace aujourd'hui ? Oui, sans aucun doute. Nos capacités sont mesurées non pas par les effectifs de l'agence, mais par la capacité de l'agence spatiale israélienne à promouvoir des projets au sein de l'industrie spatiale israélienne, qui est à la fois privée et gouvernementale, et d'améliorer évidemment les performances des composantes de nos navettes et de nos satellites pour répondre aux besoins des citoyens israéliens et qui correspondent aux besoins que l'agence spatiale s'est fixée. Merci beaucoup Yaakov Perry en direct de Tel Aviv. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. Soyez au rendez-vous et l'information continue sur notre antenne.